The delegation from Douala that comprised of the director of programs, Jules-Pierre Mounet, the head of the technical department, Merve Nyamsi, one technician and two other reporters left early and rode to Konsamba for the annual meeting of PCEM4 TV, Mungo and West. On site were all the men of God under the ministry of Apostle Lambe in the Mungo and the apostle himself, as well as all the members of PCEM TV. From all the four corners of the Mungo, from Manjo to Melong, passing through Lumluwe, Ebone, just to name the few, right down to the west region, Bafusam and Bagante. The meeting began at 10:30 with an opening prayer from Reverend Gineba of Konsamba. The director of programs then took the floor to give an outline of the program of the day. This was followed by a presentation of every participant present. After the welcome speech given by Christelle Mukodzi, coordinator of PCEM4 TV, Mungo and West, Apostle Lambe took the floor for the opening speech. He first of all thanked God who made the gathering possible and expressed his gratitude to all present for taking of their time to respond to the invitation. He also expressed his congratulations and encouragement to the whole team of PCE TV, who has remained so far a faithful and neutral organ responsible for publishing the end time message in all parts of the earth. "We have never heard," said he, "that PCEM4 TV have slandered any pastor or church, but we have only heard good testimonies about you." It was over to the president of PCEM4 TV, who, absent by body but present in spirit, gave his welcome speech thanks to a pre-registered projected video. The director of programs then mounted the pulpit once again to present the history and evolution of PCEM4 TV. In a bid to expand the word of God, the first sermon by telephone line Douala Yaoundé was preached by Reverend Samuel Bawuya in 2005. The newsletter, a printed magazine, was then born that was published every week recounting Reverend Samuel Bawuya's missionary trips. The birth of PCEM4 was on the 19th of July 2012 with the addition of audio news to an organ which was mostly written up till then. A great revolution in the manner of work was brought about by the zeal that instilled Ghislaine Gangé, a new convert who caught the vision and joined the ranks of PCEM4, which later became PCEM4 TV with the addition of the visual section. Today, PCEM4 TV counts 22 programs, amongst which are the news, Church Actualities, The Prophet's Instant, Voice of the Children, Vision of Lost Souls, Voice of God, My Favorite Song, just to name a few. Each of these programs and their scopes were detailedly presented at the meeting. The organization of PCEM4 TV was also presented, which consists of a general supervisor in the person of Reverend Samuel Bawuya, followed by the president, Ghislaine Gangé. All the pastors who collaborate with PCEM4 TV are the spiritual guides and counselors who help to watch over the quality of the word being published, as PCEM4 TV has the responsibility to publish the word and only the word. Under the spiritual counselors, we have the director of programs, Jules-Pierre Mounet, who watches over the production of each program as well as the respect of deadlines. PCEM4 TV has been divided into 6 geographical regions for better coordination purposes. They are as following: the North, headed by Moses Matebai; the Center and East, headed by Celestine Chenui; Mungo and West, headed by Christelle Mukodzi; Northwest and Southwest by Esther Madimba; Sanaga Maritime by Noël Ando; and Devouri with Victoire Samé. Each department has correspondents in the various churches associated to PCEM4 TV. A technical department is also in place, headed by Merve Nyamsi, in charge of the realization and production of programs. An infography department, headed by Jenny Emogu, for the realization of flyers. And lastly, a brigade of special reporters for the live coverage of the different trips of Reverend Samuel Bawuya, headed by Narcisse Mavian. After this presentation, the floor was given to some men of God to share their impressions, and then a coffee break was observed. The second part of the meeting consisted in giving the balance sheet of activities of PCEM4 TV in the Mungo and West region, which was presented by their coordinator, Christelle Mukodzi. 2023 was marked by workshops to reinforce capacities of members, as well as the enlargement from 17 to 32 members.
She also presented the difficulties faced by members, such as lack of communication credit and the non-respect of deadlines. She also gave testimony of how brethren were blessed by putting the Word of God first in their list of priorities. A very rich interactive session followed that exposé, in which participants voiced out their thoughts, suggestions, etc., and resolutions were taken to ameliorate the work done based on the suggestions made. The director of program gave a resume of all what was said, after which he handed the floor to Apostle Lambe for the closing statement and prayer. It was with great satisfaction that the man of God appreciated the meeting and everything that was said, as we can hear in this extract. This is my first time of attending a very detailed meeting of PCE Television. First time. I have been in other meetings, but this one has been a very special one in the sense that we have seen the evolution of PCE. We are seeing in detail what PCE is doing. We now understand the impact and the importance of having an instrument like this to vulgarize and spread the Word of God. So this meeting, in fact, was crowned by great success. The Lord Himself came into the meeting and blessed His children. We bless PCE, and we think that God will continue to help them to be a success story. Shalom. The man of God gave advice both to the servant of God present on how to manage the tithe of the tithe and to PCE members on how best to go about their work, reminding them to stay neutral and faithful and also avoid commenting the word. A special prayer session ensued in which God manifested Himself and each person received blessings from God. Visions to testify of God's presence were also given. After some praise and worship, the final prayer was made. The brethren then moved to the back of the hall for some refreshment in an atmosphere of peace and love, with the brethren communing fraternally with one another. It was a sentiment of joy that animated the participants, as we can hear in the following. I want to say thank you, Lord. Many thanks to the Lord for the meeting which was held today at the Mungo Tabernacle at Konsamba. I'm very, very happy for all the activities we have done today. Very impressed. I have learned a lot, and I know that together will be better than yesterday. And I say thank you to the Lord for all the blessings the children of the God received that day. We will organize another meeting to reinforce their capacities, and we hope that the work of God in this department of Mungo and West will go up and up. Thanks God. God bless you all. Indeed, we receive brethren from different corners, and indeed it was a very good meeting, because due to the different exchanges, we're really happy, really. And everyone really acquires from knowledge again after this seminar. So indeed, God bless each and everyone who came. Thank you. Ce samedi 23 mars 2024, une délégation de Parole Créatrice Info Télévision, en abrégé PCI TV, va quitter la ville de Douala lorsqu'il sera exactement 7 heures pour se déporter dans la ville de Nkonsamba à l'occasion de la grande réunion d'évaluation des activités PCI du Mungo et de l'Ouest. À la tête de cette délégation, nous avons le directeur des programmes Jules-Pierre Mounet, le responsable de l'équipe technique Frère Nyamsi, avec à ses côtés le frère Walter et deux autres journalistes. L'arrivée sera à 10h pile au célèbre carrefour Grand Temple, direction la chapelle du Mungo Tabernacle, pour le démarrage du meeting à 10h30. Sont présents l'apôtre Lambert Robinson ainsi que tous les correspondants des localités Mungo Ouest, assistés distinctement par leur pasteur. L'ouverture de la prière est faite par le pasteur Njimeba, assistant du pasteur Lambé. Ensuite, mot de bienvenue de la coordonnatrice Mungo Ouest, Christelle Mukodi, suivi de celui de l'apôtre Lambé. Il va entre autres exprimer sa gratitude aux membres qui ont répondu présents
et encourager le travail abattu par l'équipe PCI. Le président Ghislain Gangay depuis le Canada va abonder dans la même lancée en encourageant l'équipe à s'améliorer de mieux en mieux. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée pour cet instrument de communication Parole Créatrice Info Télévision, qui se veut un organe qui a des perspectives et des défis. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier d'abord le Seigneur pour cette grâce, mais aussi son serviteur, notre pasteur, le révérend Baoya Samuel, pour cette vision que le Seigneur lui a donnée et l'a bien voulu la partager avec nous. Je dis merci au pasteur Lambert et à tous les hommes de Dieu qui sont en ce moment autour de lui dans le cadre de ce séminaire de formation à l'initiative du Cordo, du département du Mungo et de l'Ouest. En même temps, je voudrais simplement que le Seigneur préside lui-même ce séminaire-là et que le travail qui nous incombe tous, que chacun essaye, autant que faire se peut, essaye donc, disais-je, de donner sa contribution pour la gloire du Seigneur. Donc je vous souhaite bons travaux et que Dieu inspire les uns et les autres qu'au terme de ce séminaire de renforcement de capacité, mais aussi de cette réunion d'évaluation, que les nouveaux défis qui nous interpellent puissent nous donner l'occasion de mieux nous exprimer, mais aussi de mieux nous engager encore pour la gloire de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse, qu'il conduise vos pas au retour et que la rencontre soit belle. Shalom. Juste après, le directeur des programmes, Jules-Pierre Mounet, viendra aussi donner son mot. Il va présenter l'historique PCI TV, ses activités et ses difficultés. Dans son historique, il indique que PCI commence par la presse papier, encore appelée la newsletter, le 19 juillet 2012. Puis progressivement, elle devient Parole Créatrice Info. Ensuite, Parole Créatrice Info Télévision. Ces mutations partent d'une idée originaire du pasteur Baoya Samuel, qui, depuis le départ, a mis sur pied 5 ateliers dans l'église qui ont évolué dans le cadre de l'expansion de l'œuvre dans d'autres localités. Aujourd'hui, PCI enregistre au total 22 émissions parmi lesquelles Actualité, Instant du Prophète, le saviez-vous, ainsi qu'une plateforme abritant environ 15 000 abonnés. Il présente également son organigramme, réparti comme suit. Superviseur général, le pasteur Baoya Samuel. Président Ghislain Gangay. Des encadreurs spirituels qui sont les pasteurs. Des coordonnateurs des régions. La brigade des reportages spéciaux, qui sont chargés de la couverture des événements à l'exemple des deuils. Nous avons également le département technique, dirigé par le frère Nyamsi. Les monteurs et réalisateurs. Enfin, les reporters et les journalistes. Le DP poursuit ses propos en partageant les ambitions de PCI, à l'exemple de la mise sur pied d'une télévision sur câble. Il en profite aussi pour exposer les difficultés financières auxquelles PCI fait face, en lançant un cri de cœur aux différents pasteurs et toute âme de bonne volonté pouvant apporter un soutien financier à PCI. Juste après la pause café, le pasteur Ekono fait une prière transitoire et la Cordo Mungo Ouest vient présenter son rapport d'activité 2023 ainsi que les perspectives de 2024. Dans son rapport, elle va s'étaler sous 3 angles. Premièrement, la description des activités Mungo Ouest, parmi lesquelles la mise sur pied des séminaires de renforcement des capacités des journalistes, qui a d'ailleurs favorisé une augmentation de 17 correspondants en plus. La création des activités de loisirs telles le football, handball et bien d'autres, pour favoriser l'épanouissement des jeunes dans le cadre du service de Dieu, sans rien envier au dehors. Par la suite, elles nous présentent leurs difficultés, notamment le manque de téléphones performants,
ce qui justifie les images souvent dégradées, le manque de transport pour l'activité des journalistes. Elle conclut ses propos en listant quelques perspectives aussi, notamment la création de nouvelles émissions pour élargir le gain des âmes. Sans transition, le frère Jules Pierre, en tant que coordonnateur de la Réunion, enchaîne les questions-réponses. En premier, nous avons le pasteur Bechou de Baganté qui relève quelques manquements dans le travail des monteurs. C'était un réel plaisir pour nous d'avoir assisté à cette coordination, ça a été merveilleux. Mais il y avait une primeur dans mon cœur, un point qui me touchait le plus. C'était le cas qu'après la prédication, on prenait souvent on faisait des petits focus qu'on ne pouvait pas, on ne voyait pas après les interventions. Et ça nous gênait un peu, nous prédicateurs, après un dur labeur comme ça, et qu'on fasse un petit briefing, un petit focus, et qu'on ne revoie pas après, ça gênait un peu. Mais il m'a été dit aujourd'hui qu'il fallait que l'élément soit venu tôt, de deux, que nous puissions les faire dans le briefing. Je bénis Dieu pour cela, je rends grâce à Dieu pour cette réunion et d'évaluation. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à PCI, et du courage à vous. Juste après, le pasteur Emmanuel Ouruma de Pendja suggère quelques solutions pour pallier aux différents aléas. Et j'ai suggéré qu'il doit y avoir des séminaires de formation de ses correspondants pour les permettre d'être à jour et devenir professionnels. Pour être professionnel, on ne sait pas pour être un jour. Mais ceux qui travaillent déjà pour PCI TV font beaucoup d'efforts. Et ça, et que le Seigneur les bénisse déjà. Dans le cadre de travail, ils ont encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure dans mes propos ici qu'il faut tout simplement les suivre. Que les coordonnateurs, comme les reporters qui font le papier, doivent préciser avec des extraits. Extrait 1 avec image 1, image 2, ou bien extrait 1, extrait 2, extrait 3, avec image 1, image 2, image 3, pour permettre aux réalisateurs et aux monteurs de pouvoir mieux finaliser son papier qui doit passer. Et ceci, c'est ça qui va nous rendre professionnels. Dans le cadre des difficultés qu'ils ont, on va les accompagner en tant qu'encadreur, en tant que promoteur. Moi aussi, je suis promoteur de l'audiovisuel, communicateur aussi, des entreprises audiovisuelles. Donc, on va les encadrer, on va les accompagner d'une façon ou d'une autre pour qu'ils puissent aussi arriver à la perfection. Je remercie le Seigneur pour cette initiative. Je remercie aussi le pasteur Baouya pour l'initiative qu'il a eue, l'inspiration qu'il a eue, de pouvoir mettre sur pied quelque chose qui va galvaniser et amener le peuple de Dieu à s'accrocher. En dehors de regarder simplement les télévisions du monde et autres choses, nous aussi, nous aurons un canal par lequel nous pourrions recevoir plus de nourriture spirituelle. Je vous remercie. Au sortir de cette phase de questions-réponses, on retient les éléments suivants. Concernant les correspondants, ils doivent assurer le respect des délais d'envoi des papiers, le respect des règles journalistiques. Les monteurs, quant à eux, doivent se rassurer de prendre en compte toute interview qui soit utile. Les pasteurs, en ce qui les concerne, doivent faire preuve de concision, respecter un chrono de 30 secondes maximum pour leur interview. Éviter les propos désobligeants. Parvenu au thème, l'apôtre Lambert revient avec un mot de fin. Il s'aligne au propos du pasteur Ekwe Richard en renouvelant ses félicitations au frère Jules Pierre pour son engagement remarquable dans l'œuvre de PCI. Il va aussi interpeller les correspondants à rester alignés à la vision du pasteur pour PCI en soulignant que c'est un mouvement interdénominationnel et intertribal. Avoir une notion de travail simple et neutre, loin des propos désobligeants. Savoir qu'on ne travaille pas pour le pasteur Baouya Samuel, mais pour le Seigneur Jésus-Christ et le salut des âmes. Il va clôturer en demandant la prière pour tous les correspondants, selon Nombre 6, afin que le Seigneur leur apporte la sagesse et les ressources nécessaires pour mener à perfection ce grand projet. Des témoignages sur la présence de Dieu seront enregistrés à l'issue de cette prière. Après la photo de famille et la collation, le pasteur Lambert donne son ressenti au sorti de ce meeting. Comme je le disais à la fin, dans ma conclusion,
Il disait que je n'avais vraiment pas eu à m'imprégner de ce que BCI TV fait. Je n'avais pas une bonne connaissance du travail abattu par les journalistes de cette chaîne. Aujourd'hui, grâce à cette rencontre, je puis dire que je comprends plus que jamais l'importance, la valeur et le travail abattu. C'est pour ça que je profite de cette interview pour dire merci à PCI, à son grand cordeau, à son président, à celui qui surveille le programme et qui coordonne ce qui se passe. Que Dieu bénisse PCI et TV, et que Dieu continue à donner beaucoup d'autres correspondants et des gens disponibles pour faire le travail de Dieu. Surtout, il ajoute le nombre de monteurs de programmes. C'est vraiment mon souhait et qui touche le cœur des pasteurs à soutenir, à donner de l'effort financier et autres pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous remercie. Pour le frère Jules Pierre et la sœur Christelle Mukodi, c'est plutôt un sentiment de satisfaction. Beaucoup de satisfaction et je dis merci, merci au Seigneur Jésus-Christ qui a vraiment fait réussir cette réunion, qui est allé au-delà de mes attentes. Le Seigneur nous a assisté puissamment dans les travaux. Le Seigneur nous a bénis dans la prière avec le déblocage des situations. Nous avons pu, n'est-ce pas, coordonner le travail dans la région afin de mieux organiser la façon de travailler. Nous avons reçu beaucoup de conseils. Nous avons aussi donné beaucoup de conseils aux différents participants. Nous disons merci au Seigneur pour son assistance. Il y a eu des confirmations par des visions, des prières qui ont été faites. Vraiment, que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci au superviseur général qui est notre pasteur Baoya Samuel. Nous disons merci au superviseur de la zone qui est l'apôtre Lambert Robinson. Merci à la Cordeau. Merci à notre président Ghislain Gangui. Merci à tous les participants, à tous les pasteurs qui sont venus nombreux et que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je suis très heureuse ce samedi 23 mars 2024 d'avoir reçu toute cette grande équipe, les hommes de Dieu du département du Mungo et de la région de l'Ouest sous la coordination de l'apôtre Lambert pour cette réunion d'évaluation des activités menées dans notre département et région 2023. Ce que je peux vous dire, c'est que cette réunion a été d'un grand avantage pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on a encore eu, qu'on a appris. Donc, c'était en même temps une réunion d'évaluation et un renforcement de capacités. Donc les uns et les autres ont été satisfaits et nous remercions le Seigneur de nous avoir conduits jusqu'ici. Merci également à toute l'équipe de Parole Créatrice qui nous a soutenus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. En fin de compte, c'est aux environs de 21 heures passées que l'équipe foulera le sol de Douala dans le cadre de son retour. Les cœurs apaisés avec un sentiment d'une mission accomplie.